paramétrer le calendrier, ici sur la case, on prend l'ascenseur et on clique sur le mois par lequel on veut démarrer le calendrier. Ici, la valeur 1, par défaut, c'est janvier. Pour avoir un calendrier scolaire, je vais cliquer sur la valeur 9 pour avoir un calendrier de septembre jusqu'au mois d'août. Si je veux d'autres formes de calendrier, notamment un calendrier mensuel, je clique sur l'onglet mensuel et je vais là aussi choisir dans les ascenseurs, par exemple, le mois de septembre, ce sera le premier. Attention, le premier concernant le début sélectionné sur la première feuille.